les 7 bienfaits du yoga. Vision de la vie différente. Alors, c'est pour ça que c'est important l'intérieur. Régulièrement à tous les jours, ça va être vraiment de réduire votre stress, de vous rendre plus détendu, puis d'éliminer tout le parasitage négatif de votre mental. Donc vraiment, moi je pratique le yoga depuis, je dirais peut-être 6 mois, 1 an. J'en fais par-ci par-là, j'essaie d'en faire plus régulièrement, puis j'ai vraiment vu une grosse différence dans ma vie depuis que je fais du yoga. Donc c'était ça le but de mon vidéo, je voulais vous partager dans le fond moi mon expérience puis en plus ben, les bienfaits que j'en ai vus de cette expérience de yoga. J'avais arrêté d'en faire pendant 2 semaines puis j'ai vu une différence quand j'en ai refait. J'ai vraiment vu que ok, j'en ai besoin, ça me fait du bien puis en plus tous les bienfaits que ça apporte, je trouve ça fantastique, je recommande à tout le monde. Alors, fait que le numéro 1, c'était que ça réduit le stress. Vous allez vous rendre détendu. C'est un moment pour vous que vous prenez. Vous êtes avec vous-même. Ça réduit le stress. Vous êtes détendu. Puis en plus, ben, ça élimine toutes les pensées qui sont plus négatives. En numéro 2, le yoga va vous apporter comme bienfait, dans le fond, d'améliorer votre respiration. Quand vous faites du yoga, c'est vraiment des postures, puis c'est, ce qui est important, c'est vraiment la respiration durant les postures. Parce que des fois, il va y avoir des postures difficiles, puis là, quand vous avez bien respiré, la tâche devient plus légère. La respiration a un rôle majeur. C'est là qu'on se rend compte, en faisant du yoga, que la respiration, c'est super important, puis le bienfait qu'elle procure, c'est vraiment génial. Ça va aussi améliorer toute la circulation dans le fond parce que vous allez faire des postures, le sang va mieux circuler, ça va aligner vos chakras, l'énergie qui est bloquée va débloquer, vous allez vraiment vous sentir plus fluide, souple, c'est vraiment super. Puis au niveau respiration, là, ça fait un bien fou. On dirait que c'est la première fois, je pense, que je réalisais que j'étais en train de respirer. C'est vraiment que vous allez prendre conscience que vous respirez. Puis vous allez prendre conscience comment que ça fait du bien de prendre des grandes inspirations puis de l'évacuer. C'est vraiment super. En troisième, ça va augmenter votre confiance en vous. Là, vous allez me dire, mais comment ça? Parce que, en fait, les postures, la plupart du temps, comme vous le voyez sur l'écran derrière, les bras sont dans les airs régulièrement. Puis le fait d'avoir les bras dans les airs, ça fait vraiment que votre posture, vous allez être plus droit. Il faut vraiment être droit en faisant du yoga, les postures, les bras dans les airs, la salutation au soleil. D'avoir les bras dans les airs, essayez-le quand vous êtes un peu, mettons, votre estime de vous est un peu basse, vous vous sentez moins bien aujourd'hui. Montez vos bras dans les airs, là, puis vous allez voir automatiquement un changement dans votre métabolisme. Ça vient vraiment augmenter votre confiance, ça vient vous donner une posture droite. Quand vous filez pas puis vous êtes plus négatif, on a tendance à se replier les épaules puis à être replié sur nous-mêmes. En faisant du yoga, on vient vraiment extérioriser la cage thoracique, on vient vraiment monter les bras dans les airs, on vient augmenter notre confiance en nous. Essayez-le là, quand vous filez pas, augmentez votre posture, mettez votre dos droit, automatiquement vous allez voir un changement. Parce que quand vous avez le dos droit puis que vous êtes bien, vous êtes bien, mais quand vous filez un peu moins, on est plus comme porté à être comme ça. Vous allez voir, vraiment, ça marche pour de vrai. Ça vous donne une clarté dans votre mental. Ça va vraiment favoriser votre évolution spirituelle. Clarté dans le mental, parce que quand vous allez faire vos pauses, là, puis vous allez respirer, vous allez vous sentir détendu, vous allez avoir des
comme des clartés, des prises de conscience de ah, oh, ok, c'est ça que je veux faire, ou ah, oh, oui, comme c'est ça, je me sens bien là-dedans. C'est vraiment, ça va venir comme des, un peu des intuitions, des réponses, des, ça va vraiment améliorer votre clarté mentale. Parce que à chaque fois que vous faites une position, vraiment, vous êtes dans votre position, dans votre corps, vous sentez votre corps, vous êtes dans le moment présent, qui est le numéro 4 des bienfaits du yoga. Ça va vraiment être vraiment présent. Présent parce que premièrement, vous allez vous concentrer sur votre respiration parce que les pauses vont être un peu ardues quelquefois, donc vous allez vraiment respirer. Puis quand qu'on respire, on est vraiment dans le moment présent. Vous allez vraiment être avec vous-même. C'est vraiment un moment privilégié que vous avez avec vous-même. Puis vous vous rendez compte que vous êtes présent. Cette présence-là, elle fait du bien. C'est comme si tout partait, il n'y a plus de problème, il n'y a plus rien. Vous faites votre yoga, vous êtes juste avec vous-même, vous êtes bien, vous respirez, puis là, vous êtes vraiment dans le moment présent. Puis ça, c'est super. Moi, j'adore ça pour le moment présent. Puis quand vous avez terminé votre yoga, souvent, bien, vous restez dans cet état-là. Donc, à force de faire du yoga régulièrement, cet état-là va devenir un état d'être régulier. Donc, vous allez vraiment être plus joyeux, être plus paisible, être plus heureux. Moi, j'en vois vraiment la différence. Quand j'avais justement arrêté, là, on dirait que là, je me faisais plus bombarder là, par mes pensées. Puis quand je me suis remis au yoga, on dirait que ça disperse la négativité. Ça rend plus calme, ça rend plus dans le moment présent. C'est vraiment génial. En cinquième, bien sûr, ça va augmenter votre concentration. Parce que vous êtes concentré quand vous faites une position. Donc, vous avez vraiment votre mental qui est focalisé sur la position. Ce qui va faire qu'à long terme, votre concentration va s'améliorer puisque vous êtes habitué de forcer votre cerveau à être concentré, d'avoir une attention sur quelque chose, donc ça va améliorer votre attention. Dans la vie de tous les jours, quand vous allez faire quelque chose, vous allez être plus concentré parce que si vous intégrez le yoga régulièrement dans votre vie, à tous les jours ou 2-3 fois par semaine, c'est sûr que ça va avoir un impact puis vous allez vraiment avoir une grosse différence au niveau de votre concentration. Quand vous allez faire des postures, puis quand vous allez être à l'extérieur, on dirait que cette concentration vous suit toute la journée. Sixième bienfait de faire du yoga régulièrement, ça va vraiment être que ça va renforcer votre corps. Ça va augmenter la souplesse, ça va augmenter l'élasticité de votre corps, puis en plus, ça va vous muscler les muscles. moi, j'étais une fille qui allait beaucoup au gym, j'allais m'entraîner du musculaire. Puis, dans le fond, j'ai commencé plus à faire de la yoga, à méditer, donc j'ai un peu moins, tu sais, je vais faire encore du cardio, mais moins musculaire. Puis, ce que j'ai vraiment aimé du yoga, c'est que dans le fond, je retrouve ce musculaire-là que j'aimais faire. Donc, c'est vraiment, on pense que c'est facile faire du yoga, mais c'est pas facile tant que ça, en voulant dire que les muscles travaillent très fort. Puis oui, vous pouvez être très musclé en faisant du yoga. Puis oui, vous pouvez être très en forme en faisant du yoga. Quand j'ai commencé à faire du yoga, j'ai maigri. Là. Ça fonctionne pour de vrai. Vous allez perdre du poids, vous allez être plus souple, vous allez être plus flexible parce que là, vous vous rendez compte que on est tellement rigide que faire du yoga vient comme détendre cette rigidité-là pour avoir une souplesse. Donc moi, j'adore ce bienfait-là du yoga. Numéro 7 des bienfaits de faire du yoga régulièrement, ça va augmenter votre système immunitaire. Vous allez moins être enclin à, dans le fond, attraper des rhumes ou une grippe ou être malade. Vous allez aussi avoir une amélioration de votre digestion. Ça peut paraître un peu en moins comment ça, mais ça, c'est vrai. Parce que quand vous faites du yoga, vous venez tout modeler, bouger tout votre corps. Mais ça bouge aussi votre intestin, puis ça bouge vraiment tout. Partout. Ça vient faire comme un massage à votre intestin, si je pourrais dire. Ça augmente votre système immunitaire parce que dans le fond, quand on est dans le moment présent, quand on fait du yoga régulièrement, on devient dans un état d'être qui est plus en haute vibration, si je pourrais dire. Puis quand vous êtes en haute vibration, bien, ça éloigne tout ce qui est négatif, dont aussi les maladies. Vous allez vous rendre compte que vous avez plus d'endurance, plus de patience, plus de moments présents, vous allez plus avoir confiance en vous, puis en plus, bien, vous n'allez jamais tomber malade. Fait que vraiment, les 7 bienfaits du yoga, j'avais envie de partager ça aujourd'hui parce que j'en fais et j'adore ça. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas en faire ou qui ne connaissent pas vraiment le yoga et n'en font pas. Donc peut-être avec les bienfaits, vous allez vous dire « Colin, je vais essayer ça ». Puis ça vaut la peine. Au début, c'est difficile un peu. Même moi, là, je commençais, j'étais juste faire la pose de l'arbre. J'avais de la misère à rester en équilibre. Mais vous allez voir à long terme, vous allez devenir bon rapidement.
Alors voilà, merci d'avoir écouté ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt!